Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 46e épisode de Let's Play sur Epic Battle Fantasy V. Alors, maintenant qu'on est ici de retour au début de la zone, je peux voir qu'ici il y a encore un coffre que je n'ai pas ouvert. Donc, on n'hésite pas. Le feu, c'est non bof. Ouais, y a rien qui est transcendant. Bon, on va quand même faire le feu. Très bien, de l'eau pour les tireurs félins. Voilà, c'est suffisant. Il y a un mammouth. Alors le chat est tout seul, donc on va éviter tant que possible. Bah non, on va quand même faire très bien. Alors de la terre et du bio, tout simplement. Plutôt bio. Et là je vais faire avec la terre puisqu'il est à 9 au niveau poison. Très bien. Alors d'abord on va faire mat. Voilà. Ici, on va dire encore sur mat. Oh, tu veux me voir plus longtemps en action? Je vais devoir te montrer un truc cool alors. Je n'avais rien prévu aussi loin. Bon, c'est pas grave. Hein. Tu vas faire quelque chose qui est... Voilà. Très bien. Alors, Nathalie, tu vas soigner. Là, Pat-Pat, t'envoie la sauce. Voilà. Joli. Très bien. Alors, donc on peut prendre le coffre, on peut venir ici taper. Ok, matière noire encore. Est-ce que j'ai quelque chose qui a été terminé? Donc là, je vais me téléporter vers la zone précédente. C'est celle-là, hein? Non. Si. C'est juste au sud. Au travail, camarade. Vous avez fait votre part. À mon tour, on se voit de l'autre côté. Une compétence, oh jolie, hein. Magie explosive basique qui touche une seule cible. Bon,
On y retourne. Oui. D'accord. Bon. Allez, on va parler au gars. J'étais parti m'entraîner dans les bois pour un gros combat, puis j'ai entendu une grosse explosion et regardez, on a détruit ma maison. Mon seul espoir à présent est de trouver les boules magiques avec elles je pourrais faire le souhait de récupérer ma maison. Et c'est Roku. Bon ben, on va lui trouver ses boules magiques. Alors ici. Allez, on continue. Non, on avait déjà pris. Ok. Là, c'est bon, on peut monter. Ici, on peut aller sur le côté. On va faire ce combat. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de la terre et du sacré? Non. C'est celui-là. On est sur celui qui est déjà amoché. Raté. Dans ZDS. Ok. Donc. Une bête attaque. Il faudra soigner. On va soigner comme ça, hein, puisqu'il faut soigner deux personnes. Toi, tu continues, tu attaques. Comme un lâche dans le dos, mais ça marche. Eh ben... Ah, au moins. Très bien. Parfait. On arrive ici. On peut taper sur... Bon, il n'y a rien. Donc là, on élimine le toutou. Alors, de l'eau, de la glace et de la terre. De la glace... oui, j'ai bien. De la glace et du bio. Traduction. On va tous les glacer. Ah, je peux pas avec lui. Très bien. Bon, il déserte. Comme je peux pas les laisser déserter comme ça. Très bien. Déjà, il déserte alors qu'on n'a même pas commencé. Bon bah là,
facile. Je deviens un peu trop fort pour cette zone, j'ai l'impression. Alors, par ici. On arrive là. On a le coffre. Je vais continuer. J'ai vu qu'il y avait encore un coffre qu'on n'avait pas pu avoir avant. Eh bien, on va aller le chercher maintenant. Hop, il est là le coffre. Voilà. Non, on avait déjà pris le coffre, ok. Très bien, donc ici on va continuer. Hein. Alors, on va pouvoir ici faire le bailler la boule, déjà. On va d'abord faire le coffre. Alors, voyons. Du vent, du sacré et de la terre. De l'eau du sacré. Ok, bon. Donc, du vent, du sacré, de la terre... De l'eau du sacré. Et là c'est de l'eau. Bon, on va faire la glace. Voilà, au moins un. Pat, y a eu du mal, hein. Ok, bon, bah sacré. Pat, tu fais 9 vies. Et toi, tu lances du sacré aussi. Je vais faire le sacré ici sur la plante. Très bien. Allez, on termine. On n'a pas assez. On en élimine au moins un. Très bien. Parfait. On va reprendre un peu de vie. Bon, c'était même pas la peine de reprendre de la vie, mais au moins ça l'a éliminé. Très bien. Eh bien, on va faire l'hydre infernal, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? De l'eau du sacré de la terre. Ici, c'est de l'eau de la terre. Ok, de l'eau, quoi. On va venir prendre Anna à la place.
bien. Ok. Parfait. Bon, on continue. Donc l'eau, c'est toujours bon, hein. Oh, il y a trois têtes. Alors, de l'eau, de la glace et de la terre, de l'eau, de la glace et de la terre, de l'eau, de la glace et de la terre. Eh bien, on va commencer par de l'eau. On continue avec de l'eau. Et toi, power metal pour soigner. On élevait quelques poulets, mais c'est pas pareil. Si on domestique plus d'ennemis, ce serait révolutionnaire. Ok, on continue. Voilà. Toi ici, tu fais 9 vies. Et toi, tu envoies là un peu de glace pour consommer les charges de. Les charges de mouillé qu'ils ont. Ok. Allez, la limite brique de la terre. Très bien. Ici en compétence, Sushi Cat. Sushi Cat sur celui-là parce que c'est celui qui a le plus de vie. Très bien. No. Wow, 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 là. On va se soigner. Non, c'est quand même mieux le... Un peu de power metal. Très bien, volée aqueuse, on remet des charges. Bien. Power Metal, tu peux pas. Sushi Cat, tu peux. Très bien, sur celui qui a le plus de vie, voilà. Oula. On va voir ce que donne Power Metal au niveau. Ça va. Mmh.
Du sacré, non. Du ténèbre, non. Non, on va laisser. Sur lui. Ok, très bien. Déluge de givre. Mouais. Ok. Ça pique un peu. Alors, voyons. Power Metal, je peux pas. Sushi 4, je peux. C'est lui en premier. Ok. Flèche hackeuse pour remettre des charges. Et toi, tu vas sur celui-là. Je dois toujours regarder par rapport au point de vie. Hein, c'est. Pas de patte. Hop, j'ai un petit café 223, j'en ai plus cassé. Pas de patte, encore 3 pour Alors ça va être chiant. Je vais devoir soigner. Et toi tu vas. Bah, tu vas continuer à. Ok, raté, raté, raté. Ça fait pas de dégâts ou quasi. Ça fait pas de dégâts. Allez. Un peu de power metal pour soigner. Et si ça fait des dégâts en même temps, c'est tout aussi bien. Parfait. Un petit sushi 4 sur celui-là en premier. On tire sur tous. Et là. Allez. On soigne tout le monde. Ok. Ok, il y en a un avec une tête en... Enfin, avec le cou en moins. Ça va piquer. Ok. Espérons qu'elle ne revienne pas. Ok, il n'y a plus qu'à. Ben voilà. Et blind d'XP, très bien. Et on a le trésor. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre.
Ok, très bien. Cela me rend un peu nerveux. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui se passera une fois que nous aurons mis en place ces quatre orbes. Le meilleur et le pire scénario est que nous invoquions le boss final et qu'on meure tous. Bon ben, au cas où quelque chose arriverait, c'était sympa de tous vous avoir rencontrés. Et c'est maintenant qu'ils se décident à prendre les choses au sérieux. L'inverse valait finalement mieux pour le moral. Ok, alors, juste une petite sauvegarde, au cas où. Et on va aller voir ce qui se passe. Ok, donc là, on a un portail qui s'est ouvert. On va peut-être pas le faire tout de suite. Si je vais par là, après comment je reviens? Bah, il y a certainement à voir avec ces plateformes. Bon, allez, on va tenter déjà de battre ce. Ok, il nous demande pas d'eau, surtout pas d'eau. De la terre ou du sacré. Bon, bah. Très bien. Merci pour le bronzage gratuit. Donc, on continue avec le sacré. On termine les visqueux. Ok. Faire sur les deux, hein. Voilà. Ok, on fait sur les deux toujours. Là, on va faire 9 vies pour éviter les morts. Bien. On continue. Tiens, juste au cas où. Ouais, c'est dans ZDS hein, que je fais. Très bien. Oui, on continue. Et normalement, on termine. Deuxième vague. Ça sentait mal. Ok, objet 222, plus que 221. Là, on s'en fout de duquel on prend. Alors ici, maintenant, de la terre du sacré, de la terre du sacré et du vent.
bon bah on continue. Très bien. Et allez, c'est parti pour attaque en sacré. Toi, tu continues aussi. Tu vas taper sur lui. C'est le plus bas. Et là, power metal pour régénérer. On continue. Si on pouvait vite en éliminer au moins un. Espérons que 9 vies soient là. Encore 4 tours. Ok, bon bah. Tactique, on va ramener Nathalie. Quand faut parler sacré, Nathalie, c'est toujours un bon choix. Très bien. Alors ici. Celui-là. Putain, avec ce virus en plus qui nous emmerde. Ça va pas être donc je vais faire un soin majeur. ...27 000, ça sera trop juste. Ouais, voilà. Ok. Forcément. On va vite ressusciter notre petit mat. Ici 9 vies. Ouais, si ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. Voilà. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Alors, rayonnement, c'est bien. Voilà. Mais ce sera toujours pas assez. Voilà. Enfin. Très bien. On est arrivé au bout. On a pris cher, mais c'est pas grave. Si je viens ici.
Ok, ça donne un coffre en plus. Voilà, très bien. Ok. Un bottinifuge. Maintenant, je peux marcher sur la lave. Ok, ça fait des dégâts quand même. Bon, bah, on va s'arrêter là et on reprend dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye!